la fin du premier album, il y a toujours des gens qui ne savaient pas trop si j'étais un rappeur rigolo ou si j'étais un ado dépressif. Et après le deuxième, il commence vraiment mieux à cerner mon personnage. Tu vois, là, j'ai fait un featuring avec Lafouine, par exemple, sur Capital du Crime 3. Je pense, tu entends le morceau, tu te dis, ah ouais, bah, c'est Orelsan qui est avec Lafouine et c'est cool. Tu te dis pas, mais je comprends pas, je croyais que c'était un gars de camp et là il est sur un truc qui s'appelle Capital du Crime, tu vois. Je pense que je peux enfin faire ce truc-là. Ça a pris 2 albums pour que je puisse m'éclater comme je veux sans qu'on se pose trop de questions. Lève ton verre, lève ton verre. Santé, je porte un toast à la mort de l'industrie. Sortez les 8-6, on vient fêter la fin du disque. Écoutez la radio, c'est devenu un supplice. Sauf que j'aime pas non plus les putains de puristes. Écoutez la radio, c'est devenu un supplice. Sauf que j'aime pas non plus les putains de puristes. D'un côté, t'as les radios qui te bastonnent du son en boucle. Et à un moment, t'allumes la radio, ça te casse la tête, t'en as ras-le-bol, tu te dis « Ouais, j'ai pas envie d'écouter ce refrain, j'ai l'impression de me faire laver le cerveau, c'est fatigant. » Et d'un autre côté, t'as des puristes qui vont te dire « Mais non, le vrai rap, même dans tous les styles de musique, ça c'est pas le vrai rap c'est ça, le vrai truc qu'il faut faire, c'est ça. » En fait, ce que j'ai envie de dire quand je dis ça, c'est que normalement la musique, c'est un truc, tu le prends comme ça, t'aimes bien ou t'aimes pas. Moi aussi, je kiffe bien sûr les trucs de puristes à mort. Mais à côté, si demain j'entends une chanson de je sais pas qui et que je l'aime bien, je vais pas me forcer à ne pas l'aimer parce que c'est cool, tu vois, c'est pas cool, j'ai envie de kiffer, d'être content. Si j'ai envie de kiffer sur un son, par exemple, le son de David Guetta et Kid Cudi, je l'ai kiffé, je le kiffe. Même un son de David Guetta et Econ, quand la mélodie a commencé, je fais « Ah, oh, elle est bien et tout ». Après, je me rends compte que c'est David Guetta et Econ, je vais pas faire « Ah ouais, mais vas-y, j'arrête d'écouter ». Enfin, c'est ça que je voulais dire un peu. Faut trouver le juste milieu, faut être tranquille, quoi. Je prêterai ni mon buzz, ni mon temps. Je verserai ni ma sueur, ni mon sang. Tu parles de moi pour rien dans tes titres. Tu ferais même pas de buzz avec un album antisémite. Merci quand même pour le coup de pub. Merci les chiens des gars pour le coup de pub. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'oublie trop souvent de remercier les gens qui m'ont soutenu. Faut qu'on s'offre une nouvelle vie, faut qu'on s'ouvre l'esprit. Faut que les pentes coupent les fils. Prends la route et fuis. J'ai une soucoupe en double fil. Je te ramène avec moi. Ce que j'aime bien, c'est écrire, j'aime bien chanter aussi, mais j'aimerais bien, des fois j'ai envie d'écrire une petite histoire en chanson et je me dis, ah oh, putain, l'histoire, il y a une bonne base, peut-être qu'elle serait plus intéressante pas en chanson, peut-être, je sais pas, en bande dessinée ou en film ou en court-métrage ou en n'importe quoi, donc ça m'intéresse. Et puis ouais, j'aime bien changer. Mais pour l'instant, je fais de la musique. C'est comme on me dit des fois, ouais, les rappeurs vieillissent mal, est-ce que t'as envie de te mettre à chanter et tout? Non, j'ai un mix comme ça où je chantonne un peu et où je rappe, mais tu me vois bien continuer de rapper à 80 ans. Elles touchent des bourses pour se payer leurs études, mais pas celles de l'État. Ils mettraient des caravanes à la fac, ça ne choquerait pas. Fermez les bibliothèques, on a des PS3, y'a des caméras partout, vos 15 minutes de gloire m'intéressent pas. Tu connais les pattes, espère que la tectonique revienne. Tu vois encore des wave en l'air, c'est plus de la mode depuis 2 semaines. On sème la terreur dans le crâne des électeurs. Ça me choquerait pas que Wes Craven fasse le journal de 13h. J'ai peur, les capacités de mon cerveau diminuent. Docteur, ma planète est déréglée comme un oubli de pilule. Je pourrais croiser Michael au prochain coin de rue. Plus rien m'étonne, je suis plus assez naïf pour avoir un point de vue. J'avance et plus je suis placé, plus j'avance et plus j'avance.